Ador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Houry Diallo. Voilà donc, dernière ligne droite de cette émission. Nous sommes avec notre invité du jour, je l'avais annoncé tantôt, l'Office guinéen de publicité qui donc revient subitement au devant de la scène, faisant ainsi parler de la gestion de son ex-directeur général, Ibrahima Kapi Camara. Vous l'avez entendu hier, nous parlions de sa gestion et des biens de l'OGP qui se seraient retrouvés dans son village, y compris cette fameuse camionnette Régie, qui d'ailleurs serait encore maintenant de retour sur Conakry et n'est plus à Fandié. Évidemment, là-dessus, on ouvre la fenêtre sur la gestion qui a précédé celle de Kapi. Je parle bien de la gestion de Paul Moussa Diawara qui est actuellement et à l'instant dans ce studio. Monsieur Diawara, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Houry, bonjour à tous les animateurs et à Madame l'animatrice de la grande émission Mirador. Merci, c'est votre première fois dans cette émission. Oui, merci pour l'opportunité offerte. Évidemment, et après plusieurs années, on va dire, de silence médiatique pour un homme qui est assez loquace, comme vous, on le sait, politique aussi. Et qu'est-ce qui a expliqué ce retrait, ce silence presque monacal? Oui, bon, vous savez un peu, je vous remercie d'abord pour l'opportunité et offerte pour, bien entendu, parler d'un sujet que vous connaissez pour lequel je suis là. Mmh. Le silence, vous savez, bon, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes me concernant. Après, je suis sorti de la vie administrative. Mais cela, je demeure quand même un homme politique. Oui. Et avec les législatives qui sont déroulées, vous savez, en 2020, on a pris part mon parti. J'ai eu un député à l'Assemblée, mm-hmm. qui était la personne de M. Sako, sa vice-présidente de mon parti. Mm-hmm. Mais tout cela est-il que, oui, c'est vrai, bon. C'était un moment de méditation, de réflexion et un moment de retrait pour mieux pouvoir rebondir, bien entendu. Bien. Alors oui, Talibé, on va continuer. Alors, Monsieur Diawara, hier, nous avons eu l'intervention dans Mirador de celui qui a été nommé à votre place comme directeur général de l'OGP. En filigrane, il laissait entendre qu'il n'avait pas trouvé grand-chose en termes justement financiers au niveau de l'OGP. Mm. Est-ce que, dites-nous dans quel état vous avez laissé l'OGP, est-ce que vous êtes d'avis, est-ce que vous comprenez cette version que donne Ibrahima Kapi Camara? Merci M. Talibé Bari, c'est une bonne question. Je suis venu effectivement répondre à cette question parce que je n'ai pas compris. Parce que l'opinion publique a droit à la vérité et absolument. Nous avons le devoir de dire ce qui s'est réellement passé. En effet, quand M. Kapi Camara dit que je n'ai rien laissé à l'OGP, c'est trop dire. Quand M. Kapi Camara dit qu'il a laissé à l'OGP mille fois que ce que moi j'ai laissé, que ce qu'il a trouvé, c'est un mépris, c'est arrogant, c'est méprisant, c'est insolent et c'est irrespectueux de sa part. Bien. Parce que, je vous le dis, sans langue de bois et sans narcissisme aucun, oui, moi j'ai toujours pensé qu'un homme, c'est pas l'institution qui fait un homme, c'est l'homme qui fait l'institution. À l'OGP, pour revenir à la question de M. Talibé Bari, vous savez, quand je vais expliquer dans quel contexte il dit, par exemple, qu'il n'a rien trouvé à l'OGP. C'est très simple. À l'OGP, quand je suis venu, je vous explique, c'était d'abord un service où il n'y avait même pas de toilettes. L'OGP. Quand vous venez, c'était à la maison, c'était à Printani, à Almamia, un bâtiment colonial plus vieux que l'indépendance de la Guinée. Et où il n'y avait plus rien. Donc, moi, j'ai mis les petits plats dans les grands plats. Je me suis mis sur pied. Je n'avais pas de repos. Même les week-ends, j'étais sur pied. Samedi, dimanche, je n'avais pas de repos. J'ai mobilisé, j'ai mis l'ordre dans le désordre. J'ai remis en place l'administration comme ça se doit, après avoir fait l'état des lieux. Et j'ai mis la machine en marche. J'ai pris contact avec les partenaires de l'OGP et j'ai fait le travail qu'il fallait faire.
Mais je vous rappelle encore que, n'est-ce pas, quand il s'est agi, donc, des problèmes que j'ai, pour être bref, parce que l'heure passe. Absolument. Il y a, j'ai eu des problèmes avec, dans la gestion, dans les rapports. Peut-être pour rafraîchir dans la mémoire. Dans les rapports, j'en viens. Peut-être pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres. Les téléphonies mobiles. Mobiles, oui. Avec les téléphonies mobiles, avec certains partenaires, j'ai eu des problèmes. Le problème, c'est quoi? Ils ne voulaient pas payer un seul centime à l'État comme redevance. Et pourtant, à comme mon redevance arrivée, publicitaire. Redevance publicitaire. À l'intérieur de leur réseau. Voilà. Donc, moi, c'est ce que quand je suis venu, je me suis approprié les textes. On a dit toute forme de publicité existant ou à venir. À l'époque, on ne parlait pas de téléphonie privée. Et à venir suppose que s'il y a une constat, il y a une évolution, il y a la dynamique. Et que demain, s'il y a un support qui tombe sous le coup de la publicité, et que donc ça peut faire partir de l'espace publicitaire qu'on peut facturer. Donc, moi j'ai eu les rencontres avec les téléphonies mobiles à la Riviera, première rencontre, pour les expliquer. Après, j'ai eu la rencontre avec Moustapha Mami Diaby, directeur général de l'ARPT, qui a eu l'amabilité de créer avec moi un comité ad hoc. On a mis en place pour parler et travailler sur ce sujet. Finalement, il me répond en disant que effectivement le paiement d'une redevance, d'une taxe est légal et que c'est fondé. Donc, c'est leur régulateur. Mais malgré tout ça, ils ont fait mauvaise foi. Ils n'ont pas accepté, n'est-ce pas, de payer, de s'acquitter de la redevance que l'OGP les a demandé de payer. Finalement, je me suis retrouvé dans dos au mur. Comment? Parce que les téléphonies, vous savez, dans tous les pays du monde, c'est une grande société, c'est des multinationales. Absolument. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils ne payent pas. Alors, on m'invite au ministère du Budget pour me dire qu'il faut... c'était à l'époque, M. Mohamed Lamine Doumbouya, il m'a renvoyé chez son secrétaire général, Kalo. Kalo me dit, jeune frère, laisse l'affaire des téléphonies là. Tu es trop têtu, tu as tes airs rebelles, tu n'entends pas. Laisse tomber cette affaire-là. Je dis, ce n'est pas mon argent. Ils doivent à l'État, ils doivent payer les opérateurs de téléphonie. Et c'est du droit de l'OGP. C'est Kalo, s'agit-il de l'actuel directeur de la BN, Banque Nationale d'Investissement? Tout à fait. D'accord, BNI. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai dit que je vais aller jusqu'au bout. D'accord. Après, on m'invite sur le ministre, c'est le ministre Sako qui m'appelle. Il m'invite à son bureau vers les 22 ou 32 étages là. Vers le trésor. Les 15 étages. Les 15 étages. À la chancellerie. Merci. Je viens, il me dit, Monsieur Diawara, je voulais que vous rencontriez le secrétaire général et de le voir, mais qu'est-ce qui se passe avec Orange? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il se trouve que l'ambassadeur de France l'avait appelé, que Paul Moussa Diawara emmerde Orange et qu'il nous emmerde pour le paiement des taxes et des redevances. J'ai dit non, je ne les emmerde pas. C'est la loi qui parle, la loi au-dessus de tout le monde. Les textes, c'est dur, mais ce sont des textes. Et les textes nous gouvernent. Et puisque les textes nous gouvernnent, dur à l'ex et de l'ex. Il a dit, d'accord, on va voir. Je vais le secrétaire général, paix à son âme, il est décédé. Je ne me rappelle plus, Kourouma ou quoi, là, il est décédé. Ce dernier a dit, m'a répété dans les mêmes termes. Je n'ai pas cédé. Et finalement, les problèmes, on m'invite encore au budget. Ce jour, on a fait venir mon ami Aboubakar Makissa Camara, avec lequel j'ai étudié à Conakry, avec lequel j'ai étudié à Paris. On dormait dans la même chambre à Drancy, en banlieue de Paris, pour ceux qui connaissent Paris. Donc, on a fait des années, c'est un professionnel. Qui était à l'époque directeur général des impôts. Des impôts. C'est un ami, je ne l'en veux pas. Il était en position qui était de subordination. On lui a dit, bon, écoute, voilà, il a intervenu, il dit, nous-mêmes, les gens-là doivent nous payer, s'ils vous payent. Ils ne nous payeront pas. Je dis, mais non, attention. Toute information n'est pas publicité. Mais toute publicité est information. De ce point de vue, quand on peut, une information peut influencer le comportement, la décision d'un consommateur. Il dit, bon, il y a un bonus. On dit, bon, si vous payez 20 000 francs, vous avez 80 000 francs. Il voulait payer 20 000, il voulait payer 10 000 francs. Mais il s'est dit, bon, attends, je vais payer 20 000 francs pour avoir 80 000. Vous avez modifié son comportement, sa décision. C'est de l'information. Parce que ça influence le consommateur. C'est ça qu'on appelle la publicité. Je dis donc, vous prenez ce que vous avez à prendre, mais ne mettez pas vos pieds dans mon champ. C'est comme ça que ça s'est passé. Finalement, on dit d'accord. Je sors, le lendemain, je reçois une facture. On dit, l'OGP doit 17 milliards aux impôts. Et comme le disait l'autre,
dans n'importe quel pays, ici comme ailleurs en Europe, quand on veut emmerder un homme d'affaires, on veut emmerder un administrateur civil ou n'importe qui, on lui envoie les impôts. Mais c'est très simple. Donc on a fabriqué... Donc on envoie les... Et pourtant, au moment où je parle, je demande aux autorités actuelles de demander à la direction générale des impôts de sortir toutes les factures de paiement. C'est moi qui ai amené le paiement des factures. L'OGP a été créé en 86. Je suis venu à l'OGP en 2014 quand l'OGP avait 28 ans. Mais l'OGP n'a jamais payé les taxes et les impôts à la direction générale. Moi qui ai dit non, c'est une entreprise publique à caractère intérieur commercial. Il faut payer. On est créé pour ça, c'est nos statuts. Payer. J'ai mis le manuel de procédure. J'ai créé la décentralisation dans les 5 communes de Conakry et partout dans les communes de l'intérieur du pays et dans les régions. Avec l'argent 0 francs de l'État, parce qu'une entreprise publique de type OGP, société anonyme, comme le port, l'aéroport, comme le port, l'ARPT, ANEM, etc., l'État ne donne pas un seul franc à ces structures. C'est des structures qui paient toutes les taxes et les redevances à l'État, bien. De ce point de vue. Justement, avant de vous laisser continuer, quel était l'état des finances au moment où vous quittiez les affaires? C'est là où je vais aboutir. Mais sur les impôts, donc, sur les c'est là où je vais aboutir. Donc, monsieur Kourma, avant même d'aller Diawara, là-bas, monsieur Diawara, avant même d'aboutir sur le cas des finances, moi, je serais surpris que monsieur Makissa vous disent d'abandonner les taxes au profit des impôts, d'autant plus que lui, il gère les impôts sont liés au budget et le paiement d'impôts est sans contrepartie. Vous vous revendiquez une taxe qui a une contrepartie, la taxe. Moi, si je paye la taxe, j'ai obligation, j'ai droit de vous demander de satisfaire à mes besoins par rapport à l'usage de cette taxe-là. Je vous explique. C'est surprenant quand même. Je vous explique. Oui. Le communiqué existe, qui a saisi le compte de l'OGP. À la suite, je viens, c'est là où j'en viens. Finalement, ils ont saisi la direction générale des impôts, s'est fendue d'un communiqué à l'endroit de tous les partenaires de l'OGP. Ça a été radiodiffusé. Tout le monde a suivi. Que désormais, le compte, l'OGP est mis sous tutelle financière des impôts. Parce qu'on nous réclame 17 milliards. Alors que les 17 milliards, j'ai demandé à Makissa, explique-moi les éléments constitutifs de ces 17 milliards. C'est-à-dire que depuis que vous êtes venu en 2014, jusqu'au moment nous sommes en 2016, je dis en 2 ans, 17 milliards, alors que je paye régulièrement les taxes et les impôts à la direction générale. On a les reçus. Par mois. Et toujours, par mois. Qui s'élevait à combien? Non, je ne peux pas vous dire maintenant les chiffres, mais on payait tout. D'accord. Et le receveur central des trésors, on avait les reçus. On versait et puis on prenait les reçus. Non. Mais c'était une manière de me coller au mur et de me laisser les baskets des téléphonies mobiles. C'est ainsi qu'on a gelé les comptes de l'OGP. Quand on gèle les comptes de l'OGP, on demande aux opérateurs, aux partenaires, à tous ceux qui sont en rapport avec l'OGP, de ne plus payer un centime à l'OGP. C'était dans le communiqué du directeur général des impôts, M. Abouka Maxayedena, mais je ne l'avais pas. Et c'est tout à fait normal, qu'est-ce que vous voulez? Il était sur instruction. Donc les paiements, donc, les paiements allaient directement à M. Diawara. Et c'est ainsi que... Vous êtes en train de confirmer des présomptions. Moi, en tout cas, je travaille sur deux dossiers. Et je continue à travailler sur des dossiers, c'est l'OGP et c'est la société des chargeurs là. Sekou Camara qui a aussi subi des brimades certainement comme vous. Oui. Vous êtes en train de nous dire que quelqu'un au haut lieu vous en voulait? Naturellement, je vous explique. Donnez-moi juste une minute, monsieur Akumba, merci de la question. Qu'est-ce qui s'est passé? On a bloqué le compte, on dit tout le monde verse à l'OGP, les téléphones mobiles versent là-bas. Les opérateurs versés là-bas, tout le monde, pendant de longs mois, aux impôts, c'est vrai des finances, c'est vrai des moyens, même pour m'empêcher de payer les salaires et aller dire à Ro, parce qu'il y avait une mafia qui était mise en place pour m'enlever de l'OGP. J'étais informé de l'arrivée de Capi à l'OGP 3 mois, 4 mois avant son arrivée. Tous les grands journalistes de Conakry étaient informés et tous les services de renseignement étaient informés déjà. 3 mois avant son arrivée à l'OGP, moi je savais qu'il venait à ma place. Donc, on m'a sévré. Vous voulez dire que le complot est parti de la présidence? Bon, enfin. Oui, absolument. Non, de la primature donc, peut-être. De la primature. On parle de Kirizi Bangoura dans cette affaire. Donc, de la primature. Donc, qu'est-ce qui se passe, M. Talibé? Oui. Qu'est-ce qui se passe? On bloque mes comptes pendant 4 mois. Imaginez que tout ce que je produis comme entrée d'argent ne vient plus dans le compte de l'OGP, va directement aux impôts. Aux impôts. Dans le compte des impôts. Qui est derrière tout ça? Non, j'en viens. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? L'OGP n'a pas d'argent. Si Capi vient trouver dans ce cas l'OGP, il n'y a même pas 10 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions, 15 millions.
il peut, je peux le comprendre qu'il parle ainsi. Mais ce que je dois lui expliquer ici, c'est que dès qu'il a pris fonction pour preuve, la primature a instruit à la Direction générale des impôts de libérer les fonds gelés. Et ce sont des milliards là qu'il expliquait. Je suis venu avec bon, Kassori Fofana, à la tête de la primature. Donc ce sont les milliards là que Macky Sall a mis à disposition, qui étaient gelés, qui ont été mis à disposition du nouveau directeur général entrant de l'OGP. Donc, venir dire que je n'ai rien, que tu n'as rien truqué, il n'y a rien. Mais c'est. Mais il a dit qu'en 6 mois, il a doublé ou triplé. Non, mais. Justement. Bon, je vous explique. Triplé, doublé, multiplié. Je suis tout à fait. Ça, c'est des expressions. C'est du blabla. Pourquoi je le dis? Parce que c'est simple. C'est moi qui ai décentralisé. L'OGP était réduit dans un petit bâtiment. Il n'y avait pas de décentralisation. Parce que la nature aurait du vide. Je me suis dit, quand l'activité commerciale, l'activité économique repose sur la publicité, c'est-à-dire faire connaître son produit, sa marchandise. Partout où il n'y a pas d'OGP, on perd des milliards. De 1986 à 2014. Mais il faut décentraliser pour qu'on entre dans nos fonds. Et arrêter l'hémorragie financière. C'est moi qui ai créé donc ce qu'on appelle les services décentralisés dans les 5 communes, dans les 7 régions, pour permettre à l'argent de rentrer. Et donc, il a trouvé ça sur place. Il n'a pas inventé ça. C'est moi qui ai mis en place ce qu'on appelle le paiement des téléphonies mobiles. Il a trouvé ça, il n'a pas inventé. C'est moi qui ai mis en place le paiement des frontons, des boutiques, des magasins, des bars, des restaurants, des motels, des hôtels, des entreprises, des anciens lumineux. C'est moi, c'est pas lui. Donc, je ne sais pas, il n'a rien. C'est vrai que vous avez créé les conditions permettant d'abonder suffisamment les comptes de l'OGP. Même à Talib Ebari, ici, il venait directeur général à ma place. Talib Ebari, mais à tout le mécanisme a été mis en place pour permettre à n'importe qui de faire entrer des milliards et des milliards à l'OGP. Mais pourquoi on vous en voulait? Pourquoi on vous en voulait? Dites-nous alors. Qui avait intérêt pour vos performances alors? Je vais expliquer, M. Souma. Moi, j'ajoute une question, si vous me permettez. Oui. J'ajoute une question. Au-delà du fait que vous étiez entêté à ce que les sociétés de téléphonie donnent cet argent parce qu'ils devaient le donner, et à côté, il y avait la réalité politique. On dit que Paul Moussa, c'est aussi ce jeune qui est dans le confort et tout, et politiquement, qui ne veut pas fondre son parti dans le RPG. Est-ce que ça a aussi contribué à votre renforcement? Il y a un conglomérat de faits, un faisceau d'éléments qui ont contribué, bien entendu, à me créer des problèmes. Donc, parmi lesquels l'aspect purement politique, je dis que la fusion appartient, est propre à la chimie, ou à l'hydrogène plus l'oxygène égale à l'eau. Mais elle est inappropriée à la politique, la pensée unique. Il faut laisser les gens dans un même groupe politique, avec leur pensée, leur opinion. Je n'ai jamais quitté la mouvance présidentielle. J'étais là, j'apportais ma contribution, je mettais mes bases politiques de Conakry en passant par la base, la moyenne Guinée, la haute Guinée, jusqu'en forêt, à disposition pendant les élections. Mais pour quelle raison, bon Dieu de bon sang, on veut que je fonde le MPD dans le grand parti? C'était du n'importe quoi. Ce que je veux ajouter, je veux dire par là que même là, même par exemple l'immatriculation des travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est moi. De l'OGP. C'est moi qui ai mis tout ça. Le mandel de procédure, c'est moi. Il n'y avait pas. J'ai trouvé 15 travailleurs à l'OGP. J'ai mis des centaines de travailleurs en 4 ans. Et ces gens-là ne sont pas payés par le budget national, ni par le ministère de l'économie des finances. Parce que je vous rappelle, c'est important de le dire, l'OGP est une société anonyme régie par l'acte uniforme de l'OADA, des structures défonctionnalisées de l'État, où il y a des contractuels recrutés par la Direction générale. Ce n'est pas des fonctionnaires, ce n'est pas le même statut. Donc, c'est la Direction générale qui paye les travailleurs. Ce n'est pas l'État qui paye. Donc, imaginez que à cette époque, je payais près de 600 millions par mois. L'OGP n'a jamais eu de problème de salaire. Est-ce que vous êtes des grands journalistes, vous étiez là? Est-ce qu'il y a une manifestation pour manque de paiement des salaires? Non. Pour quelle raison alors vous réduire tout ça là? Moi, je n'ai pas eu d'appui institutionnel ni politique. Parce que Ibrahim Kaby Camara a eu des appuis institutionnels et politiques. On l'a donné une voiture, il l'a dit lui-même qu'on lui a offert une voiture. Moi, j'ai acheté avec l'argent de l'OGP le véhicule de fonction directeur général. Moi, j'ai acheté. Ensuite, il a été celui qui a eu le capital de 2 milliards de 86 jusqu'en 2014, jusqu'en 2018 à mon départ, n'avait jamais été payé. Non, pas de subvention, il n'y en a pas. Okay. L'État n'a pas, donc Capi a reçu les 2 milliards. 2 milliards, c'est à quel titre? C'était le capital libéré. Non, je n'ai pas eu le capital libéré, j'ai fait toutes les demandes, les mains et les pieds, impossible. Dès qu'il est venu, on l'a libéré. Ensuite, l'autorité a pris le téléphone, il a téléphoné au ministre Mami Djabi,
Quelle autorité, quelle autorité? Suivez mon regard. Le président. Le président. L'autorité a pris le téléphone en 10 ans à Moustapha Mami Djabi, ministre des télécommunications. Il dit désormais, c'est fini, ce n'est plus dans les tribunaux qu'il faut aller chercher l'argent de l'OGP, c'est fini. Parce que moi, Maître Maud Doumbouya, qui a été ministre de la justice, qui était l'avocat que j'ai employé à l'OGP pour défendre les dossiers de l'OGP, et dès qu'il y a contentieux, tous les contentieux, et c'est dans les tribunaux de Kaloum, de Dixi et de Bafanko. J'ai réussi toujours à gagner sur les téléphonies, les opérateurs et tous les autres partenaires. Et c'est comme ça qu'on a eu de l'argent parce qu'on était bloqué. Donc ainsi, l'autorité a dit que désormais, il faut mettre une grille tarifaire. Or, avec quand le ministre Rachid Ndiaye était ministre de la communication, j'avais réussi à le convaincre et il a accepté la grille tarifaire pour qu'on sorte des contentieux et des tiraillements. Mmh. On a mis en place et il a signé, le ministre Mamia Diaby a signé. 24 heures après, ils ont rapporté, le ministre de l'économie a rapporté sur l'instruction que non, que jamais, qu'il ne faut pas payer ça. Non, 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 c'est nul et non avenu, la grille tarifaire qui impose le paiement des redevances aux téléphonies. Donc, ça a été annulé. Mmh. Finalement, mais Capi, dès qu'il était là, tel coup de fil, un seul coup de fil, du président, ils ont mis en place la grille tarifaire à son profit. Comment voulez-vous que le travail que j'ai mis en place, qu'il vienne s'arroger ce droit en disant oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, il n'a rien inventé. S'il avait inventé quelque chose, s'il avait mis un mécanisme de rentrée d'argent, je l'aurais applaudi. Je suis désolé, il ne l'a pas fait. J'ai mis tout ce que vous voulez. Je suis le Christophe Colomb de l'OGP. Désolé de le dire. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Moi, j'ai fait ce que l'OGP est devenu. Car je croyais qu'une institution, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'institution qui fait l'homme, mais ce n'est pas l'institution qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'homme. Donc, encore une fois, pour terminer, vous donner la parole à ma soeur à droite, encore une fois, je tiens à dire ceci. Je suis été écœuré en entendant ça. Moi, je ne jette pas l'opprobre sur les gens. Mais le mécanisme par lequel il dit qu'il n'a rien trouvé, c'est ce que je viens d'expliquer à travers la saisie, mise sous tutelle de comptes de l'OGP et demander, intimer l'ordre à tous les partenaires de verser dans le compte de la. Est-ce qu'ils connaissent ce détail? Mais en fait, bon, quand on ne connaît pas le détail, c'était. Voilà. Monsieur Diawara, oui. À vous entendre, on a l'impression que ceux qui ont voulu vous coster au mieux et pour que vous lâchiez les baskets à Orange Guinée. Au téléphone. Au téléphonie mobile. Hein. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce sont eux qui, naturellement, passaient par le système d'arrosage pour pouvoir récupérer les fonds? Peut-être pas pour récupérer les fonds. Voilà ce que les gens ont fait. Le secrétaire général du ministère du budget, Carlo, c'est un grand frère, je le dis, si je sors d'ici, je verrai. Il a dit, il était le président du conseil d'administration des télécommunications du ministère. Donc il a une relation étroite avec les téléphones. C'est à ce titre qu'il m'a appelé. Et après, il m'a prodigué, il a dit, laisse ça ainsi de suite. Je vous rappelle, pour ne pas oublier, que le décret qui me limoge n'existe pas. Je demeure à l'OGP. Quiconque. Je n'ai pas, il n'y a pas de décret qui m'a limogé. Le président Alpha Condé était au petit pèlerinage, à la Oumra, quand j'ai été limogé. Le décret est sorti d'où? Or, conformément à la loi, est le seul dépositaire du pouvoir discrétionnaire. Donc, à date, je vous rappelle, c'est une information. C'est une information FIM FM. Et vous n'étiez pas seul, dans ce lot de limogé là. Sans pour autant qu'il ne sache qu'est-ce qui s'est passé. On l'a appelé. Aïdara. Ronagui. Bon, certainement. Le camarade de l'OCG. L'OCG. Et d'ailleurs, Sekou qui continue toujours à courir derrière les tribunaux. Il gagne le procès. On le renvoie au procès de son comptable qu'il doit attendre encore. Alors, pourquoi on vous reproche? Vous avez été arrêté, il y a eu un procès qui vous a condamné à 5 ans de prison le 15 avril 2019. Oui. On vous a condamné au remboursement de 39 milliards de francs guinéens et vous serez libéré le 27 juin 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ces 39 milliards? Très bonne question. Au fait, vous savez, je vous dis, l'État, comme après Dieu, comme l'a dit le savant et philosophe russe, après Dieu, le savant et philosophe russe, Bakounine, après Dieu, c'est l'État. L'État, c'est le Dieu terrestre. Qu'est-ce que vous pouvez contre un État? Quand il veut vous fermer la gueule, excusez-moi de l'expression, quand il veut vous la boucler, quand il veut vous détruire, quand il veut finir avec vous. Moi, je ne suis pas là pour dire que je suis blanc comme neige. Je ne le dirai pas. Mais ce que je puis dire, dans tout ce que nous faisons,
il a ce qu'on appelle la forme. La forme, comment le faut en droit. Je parle sous le. Enfin, bien entendu, avec votre présence, vous connaissez bien ce que ça veut dire. Moi, les 39 milliards, quand on vient dans ce service, on dit, ça là, ça a coûté combien? J'ai dit 5 millions. La télé, parce qu'il y avait des télés dans les bureaux de l'OGP, etc. Les meubles, et ensuite les dépenses, le carburant, tout ça n'a pas été pris en compte. On a fait la sommation comme ça. On a dit, il faut rembourser. La seule dépense. Attendez, vous voulez me dire prise en compte que la dépense du conseil d'administration au Novotel sous l'air ministre Gbantamaso. C'est la dépense là qui a été validée. Or, c'est pas dans mon salon. Vous voulez dire que ces 39 milliards là, on a additionné le prix de la table, le prix de la télé, c'est tout cela additionné qui fait les 39 milliards. Et on vous a dit de rembourser ces 39 milliards. Peut-être le siège Almamia, parce que même le salaire du local de Prétania, même le loyer, vous avez loué un immeuble Almamia. Oui, oui, même le loyer là, ils ont récusé le loyer, qui ne prennent pas le loyer. Ils ont dit que, alors qu'on a gagné les procès dans les cours des tribunaux, les archives sont dans les tribunaux. Maître Mouré est là. Et maître, les huissiers sont là. Parce que quand vous êtes encore, vous vous entendez avec les huissiers, les avocats, pour qu'ils fassent, pour une prestation de service, vous les payez, c'est pas un cadeau. L'argent qui les revient a été imputé, n'a pas été reconnu. Ça va, c'est dans l'ordre, imaginez, parce qu'on a eu beaucoup d'affaires. C'est dans l'ordre de plus de combien d'affaires, je ne sais plus, c'est trop. Mais ils ont eu à peu près, ça s'élève leur montant, cumulé, payé à peu près à 10 milliards. Alors, comment vous pouvez imputer ça? Quand ils ne reconnaissent pas, ils ne prennent pas. Donc vous voyez, c'est un peu difficile. Ce que je veux dire par là, et la forme, oui. Et la forme dont je parle, quand je le dis ici, parce que ça peut servir, c'est une information extrêmement importante. Le corps de contrôle est organisé, éclaté en Guinée, organisé, structuré. Un inspecteur intervient dans un secteur donné, mais ne peut pas intervenir dans un autre secteur. Là où intervient l'inspecteur, notamment l'inspection générale des finances, l'inspection générale d'État. Ça, c'est conformément à la loi que je parle, qui a été promulguée en 2016, votée par l'Assemblée nationale de l'époque. Il est dit que, n'est-ce pas, dans les structures rattachées, notamment les directions nationales, les services là, etc., qui bénéficient du budget, qui bénéficient des subventions, l'État peut intervenir pour aller voir le niveau d'exécution, la réalisation et l'exécution de l'argent. Mais dans les sociétés anonymes, même quand elles sont publiques, puisque la Guinée est signataire, membre et signataire de l'OADA, et donc les structures publiques de l'État guinéen qui sont régies par l'acte uniforme de l'OADA. Donc, quand on doit intervenir, c'est qui intervient là-bas pour le contrôle, c'est les commissaires aux comptes qui interviennent, qui remontent l'information en cas de défaillance, de détournement, de corruption, de concussion ou de défonctionnement, c'est les commissaires aux comptes qui demandent l'information au procureur de la République, qui l'informe pour dire qu'il y a ça, il y a un cas au port. Ça n'a pas été le cas pour l'OGP. Donc, tout ça, c'est les formes. Donc, il faut beaucoup faire attention, parce que même si, et pour ce qui concerne 5 ans, comme l'a dit, pour clôturer sur ça, quand M. Talibé dit que j'ai été condamné pour 15 ans, en principe, je ne suis pas juriste, mais je suis un administrateur civil, on a pris dans le tas, sur certains fonctionnements même de la magistrature ou par exemple du droit, etc. Ce qui est dit, quand on compare le statut important en matière de magistrature... Nous avons 2 minutes. Le statut veut dire quoi? Quand tu compares prévenu libre, c'est-à-dire à la cour ou au tribunal, tu dois garder ton statut jusqu'au stade, je veux dire à l'étape suprême de condamnation définitive et irrévocable, notamment à la cour suprême. Mais si on te fait mandat dépôt et que vous interrogez ta appel, tu ne dois pas aller en prison. Et votre cas... Mais il y a des femmes et des hommes, certains qui voulaient voir pour vous savoir aller en prison, menottés, humiliés. Donc, ça s'est passé. Mais quand tu écoutes l'hôtel 5 étoiles de Koronti pour venir au tribunal de Kaloum, donc tu es déposé là-bas par le procureur, le juge d'instruction, là-bas, même si on te condamne, on te retourne là-bas parce que c'est ton statut. Mais mon statut n'a pas été respecté. On m'a mis en prison
en violation de mon statut. Bien. Je ne suis pas contre les audits. Je suis pour les audits, tel qu'aujourd'hui, le colonel président Mamadi Doumbouya est en train de le faire. L'audit se fait dans les règles de l'art. Ça ne cible pas trois institutions publiques. Ça cible l'ensemble des institutions publiques. C'est ce qui est important. Mais on ne peut pas prendre deux ou trois personnes pour dire qu'on est venu pour nettoyer, mettre l'ordre dans le désordre, lutter contre la corruption et lutter et prendre trois personnes comme des sacrifices, comme des exemples, après s'arrêter et protéger ces gens, etc., etc. Ça ne marche pas. Malheureusement, voilà. Nous sommes pris par le temps. Je voulais juste savoir, est-ce que entre Paul Moussa et le RPG, l'amour est désormais possible? Et est-ce qu'on avait dit à Alpha Condé que vous seriez le serpent qui devait le mordre? Un des hauts responsables de l'État, devant plus de 6 personnes qui sont témoins, dont je ne cite pas les noms ici, quelqu'un a dit au président... Il dit, tu es en train d'élever un petit serpent qui va te mordre. Il est candidat en 2020. Il l'a dit, le président l'a dit au palais devant une dizaine de personnes dont je faisais partie. Et depuis là, vos mécanismes. Et depuis là, c'est de là que venaient mes problèmes. Bien. Et après, c'est pour vous dire encore une fois que ces problèmes-là sont là. Moi, je ne suis pas contre qu'on audite. Quiconque fait la gestion doit être audité. Bien. Mais dans les règles de l'art et non en ciblant deux ou trois personnes. Aujourd'hui, nous sommes dans le vrai audit. C'est tout le monde qui est concerné. Bien. Il n'y a aucun problème. Encore une fois, dire qu'il est parti en prison ou bien il a été condamné, il ne peut pas faire la loi. Je jouis de mes droits civiques et politiques. Je suis citoyen et je peux accéder à n'importe quel poste électif ou nominatif dans ce pays. Bien. Comme le cas de Khalifa Sall, les candidats tunisiens et algériens qui étaient en prison, bien, qui ont été candidats. Bien. Posez-vous la question, comment c'est possible que les gens soient candidats alors qu'ils sont en prison? Avec parce le RPG, il n'y a pas eu de sentence définitive. L'amour voilà n'est plus la possible avec le RPG. Avec le RPG, on a eu toujours des alliances électorales. Bien. On n'a jamais eu une alliance politique, c'est des alliances électorales qu'on a eues. Encore une fois, en tout cas, ce qui reste clair, les prochains jours, je serai sur le terrain politique, bien, pour continuer à défendre mon idéal qui est celui de participer à la vie de ce pays, bien, à la construction et à l'édification de ce pays. C'était Paul Moussa Diawara pour son grand oral, exclusif bien entendu depuis. Et nous reviendrons avec lui dans d'autres numéros pour parler d'autres choses. Merci à toute l'équipe, merci à ceux qui étaient derrière la baie vitrée. L'émission continue demain samedi avec Omanet, Aboubacar Diallo, l'influenceur ouest-africain. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. Vous avez suivi la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Barry, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akouba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé.